Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Vraiment, vous m'avez manqué. Ça fait maintenant une semaine à ma connaissance, hein. Une ou deux semaines pour je ne sais pas, mais ça fait un moment on ne se voit pas. Ça fait un moment on ne fait pas de vidéos ici sur notre chaîne principale et sur l'ensemble de nos chaînes. Et sans doute, vous vous posez des questions. C'est pourquoi je me suis dit que oh, il faut absolument que je vous explique quand même, oui, que je vous dise ce qui se passe, pourquoi Union Sorbonne n'a pas encore sorti de nouvelles vidéos. Ok. Ne vous inquiétez pas les frères et sœurs. Il n'y a pas de problème. Tout va bien grâce à Dieu. Mais sauf que à un moment donné, là, il faut évoluer. Il faut juste évoluer dans sa vie. Quand vous travaillez, à un moment, il faut s'arrêter, se mettre sur la montagne et observer un peu autour pour voir ce qui se passe, ce qui ne va pas et ce que vous pouvez corriger. Donc, c'était un temps où je bossais sur ça et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai vu qu'il fallait qu'on améliore beaucoup de choses et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter des équipements, de nouveaux équipements. Oui. Afin de faire des vidéos de qualité. Si vous avez bien vu dans la partie communauté, j'ai juste posté une photo et je vous ai dit que nous étions en train de tester une caméra qui filme en 4K 60 fps, c'est-à-dire 60 images par seconde, afin que les choses soient réelles, un peu réelles, les actions, les choses, parce que je sens que il y a beaucoup de choses qui vont venir. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont finir encore. C'est un investissement, un gros investissement. Mais il fallait le faire. Ça fait maintenant 3 ans que nous sommes ensemble. On se suit chaque jour, vous me suivez, vous suivez ce que je fais. Je me suis dit qu'il faut que nous vous offrons des vidéos de qualité, de bonnes choses. Tout ça pour la gloire de Dieu, des choses extraordinaires. Pour aider les gens à comprendre certains trucs avec plus de clarté. Voilà. Donc, je me suis équipé dans toutes les dimensions possibles. Je me suis tellement équipé que j'ai acheté ce téléphone. Regardez bien le téléphone. Hein. Regardez bien le téléphone. Qui reconnaît le téléphone? Depuis que Jésus est sur la terre, je ne l'ai jamais eu. Je pense qu'il appelle un iPhone. C'est comme ça. C'est même écrit ici. Regardez. Bon. Anyway. Peu importe. Oui. Je me suis même acheté un iPhone. Maintenant, vous avez dit, mais quel est le problème avec ce iPhone? Quel est le problème? Le problème, ce n'est pas le téléphone. Mais c'est un assistant qui est à l'intérieur que je ne comprends vraiment pas. Cet assistant vocal connaît tout, sauf Jésus. Les choses de Dieu. Et cet assistant-là connaît même mon nom. Tu lui poses une question sur moi, il te dit tout. Et figurez-vous, cet assistant-là a un nom. Et son nom, c'est Siri. Quand tu lui dis... Bonjour Siri, en anglais. Il te répond. Quand tu dis ouvre telle ou telle chose, il te répond. Mais cet assistant-là ne réussit pas à me dire concrètement qui est Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui m'a vraiment impressionné dans toute cette histoire. C'est pourquoi je me suis dit que, après vous avoir dit ce qui s'est passé durant ce temps, il faut absolument que je vous montre ça. Afin que vous puissiez voir clair un peu dans ça. Peut-être que vous avez le téléphone, mais vous n'avez pas encore fait le test. Et si vous avez des questions que vous aimeriez que je lui pose, vous pouvez réagir en commentaire, laisser un commentaire et faire une autre vidéo. Et puis on verra. Bon, je vais commencer par ouvrir le boîtier, hein, je vais ouvrir le carton. Et puis, on va voir ce qui s'y trouve. On va ouvrir rapidement le carton. Juste comme ça. Voilà, et on voit ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone.
C'est un téléphone. Et chez Apple, de la gamme des iPhones, c'est le iPhone le plus puissant au monde. En ce moment, c'est le iPhone le plus puissant au monde. Il a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et vous voyez, à lui seul, il a trois caméras. Comme s'il avait trois yeux. Mais ce n'est pas tout, hein. Quand vous ouvrez encore le téléphone, quand vous ouvrez le téléphone, vous pouvez voir que à l'intérieur se trouve ça. Vous voyez ça? Vous recevez les notifications, les trucs du genre. Voilà. C'est le truc de ce genre-là. Mais là n'est pas le problème. Le problème se trouve au niveau de l'assistant vocal, qui m'a vraiment étonné. Ça m'a vraiment étonné. Je ne sais pas si c'est parce que ce jour-là, il n'avait pas bien mangé, qu'il ne m'a pas bien répondu, ou bien c'est même quoi. Mais je ne comprends pas. Vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Cet assistant vocal s'appelle Siri. Vous allez voir. Quand vous appuyez sur le bouton d'allumage, juste ici, ici là, vous pouvez voir que quand vous mettez ce bouton, vous pouvez voir qu'il parle. Cet assistant-là parle. Regardez. Hi Siri. Hello, Zahu Jean Williams. Vous voyez, non? La conversation a commencé. Je peux lui poser une autre question. How are you? I feel good. Thanks for asking. Je lui ai posé la question, ça, mais comment vas-tu? Comment te sens-tu? Elle me dit que, oh, je me sens bien. Et puis quoi, la même là? Merci de me l'avoir demandé. Je vais lui poser une autre question encore. Je vais poser la question, ça, mais quel est le jour d'aujourd'hui? À quelle date sommes-nous? Siri, what is the day today? It's currently clear and 29 degrees. Non, c'est pas ça. Siri, what is the day today? It's Friday, April 16th, 2021. Est-ce que vous voyez? Ce que vous voyez, voilà, là vous voyez que l'assistant vocal vous donne carrément tout quoi, la date, tout et tout et tout et tout, quand vous lui posez les vraies questions. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Je vais vous poser la question de savoir qui est Jésus-Christ? Voilà. Allons-y. Siri, who is Jesus Christ? Here's what I found. Je lui demande qui est Jésus-Christ, je regarde ce qu'elle me sort. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et la caméra, vous avez vu pourquoi il s'est acheté des équipements, vous voyez, voilà, j'ai besoin de beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez quelque chose? Elle me sort l'information sur Jésus, un Jésus-Christ, elle dit, Jewish prayer and religious leader, central figure of Christianity. Genre, elle dit que Jésus-Christ, c'est un religieux, un leader religieux. Et le centre, c'est une figure au sein de la chrétienté, c'est-à-dire c'est une personne importante dans le christianisme, quoi. Et elle me donne d'autres informations. Mais moi, ce que je ne comprends pas, elle a su me donner mon nom, même tout mon nom, sauf Jésus-Christ, l'identité de Jésus-Christ en réalité, avec précision. Pourquoi ne me dit-elle pas que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu? Attendez, oui, elle a posé, oui, elle voyait poser encore une autre question sur moi. Elle a posé la question, mais Bisby, dis-moi, quel est mon nom? Écoutez bien. Bisby, please, what is my name? You're asking me, Zahu Jean Williams? Elle dit, donc tu me poses la question, hein? Voici ton nom. Et c'est mon nom, elle fait sortir mon identité, mon visage. Oh Seigneur, vous ne pouvez pas bien voir. Vous voyez pourquoi je vous disais à chaque fois que si vous voulez nous soutenir, par les dons pour le faire, parce que j'ai besoin d'équipement. Regardez.
Bon, elle donne mon nom, tout mon nom, hein, même mon numéro de téléphone. Et... mais elle ne sait pas qui est Jésus. Normalement, c'est très simple, hein? Ou bien elle ne prend pas part. Elle n'a pas de religion. Bon, elle pose une autre question. Une autre question. Elle pose la question de savoir, mais qui est Satan? Histoire de voir quelle serait ta réponse. Écoutez bien. Siri, où est Satan? There's no one in your contacts matching Sutton. Elle dit, il n'y a personne dans ton contact qui s'appelle Satan. Non, elle soutenait, elle a dit sous-ton. Bon, je réponds. Bisbee, who is the devil? The definition of the word devil is an evil supernatural being. The word devil has five other definitions. Elle me donne la définition du dictionnaire, regardez, regardez. Il demande qui est Satan, qui est le diable, qui est le diable, le diable. Elle me dit, dans le dictionnaire, le terme c'est comme ceci, c'est comme ça, c'est comme ceci. Elle donne quand même des informations, hein? Siri. Hello Siri. Ouais. Vous voyez comment la technologie est développée. Vous pouvez causer avec votre téléphone juste comme ça. Juste comme ça. Quelle question aimeriez-vous que je lui pose? Vous pouvez réagir en commentaire et je ferai une prochaine vidéo pour ça. Si Dieu nous donne la force de le faire, bien sûr, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Bien. Donc, voici un peu ce que nous avons fait. Et nous nous préparons à faire des vidéos différentes, des vidéos de bonne qualité, de haute qualité. Toutefois, c'est Dieu qui nous guide, c'est Dieu qui fait tout et on bénit Dieu pour tout. Pendant que j'étais en train de travailler sur ces projets-là, sur ces différents projets, j'ai vu tant de choses, j'ai envie de réagir, mais je ne pouvais pas. C'est comme l'information qui est venue à nous. Genre, il y a un quoi là-bas? Genre, la femme d'un pasteur. La femme d'un pasteur, elle est descendue dans l'église, son mari là-bas pour aller tout ménager. Parce que il allait épouser l'une de ses chantes, c'est-à-dire l'église, les filles qui chantent la chorale là, il a posé une en secret. Donc elle allait ramasser la fleur, tout ce qu'elle pouvait voir sur son passage. Ah, sans doute si tout se passe bien, je pourrais faire cette vidéo-là, je pourrais faire cette vidéo-là demain et vous montrer les choses avec plus de détails. Merci les frères et sœurs de nous avoir supportés. Si aujourd'hui j'ai pu acheter ça, c'est aussi grâce à vous, à toutes les personnes qui nous soutiennent par les dons. Si vous voulez nous soutenir, en tout cas vos devoirs arrivent à bon port. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger une note où se trouvent nos informations bancaires. Toutefois, donnez avec votre cœur, donnez avec amour. Celui qui donne, il ne donne pas en vain. Non. Mais ne vous forcez pas, ne vous mettez pas la pression, que ça vous vienne du cœur, que ça vous sorte du cœur. Ne donnez pas avec chagrin. Moi, c'est ma manière de donner à Dieu en achetant cet équipement et en faisant de vraies choses, des vidéos de qualité, des choses extraordinaires pour vous. C'est ma manière aussi de donner à Dieu. En tout cas, je vais utiliser tous mes biens pour servir Dieu. Ouais. Je vais utiliser tous mes biens, même ma montre. Que Dieu lui-même nous guide seulement et nous allons voir de belles choses. Merci pour votre attention. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de vous abonner sur nos trois chaînes en cliquant sur ce bouton. Vous allez apparaître que vous allez voir Nyans Bon 2, Nyans Bon 3, Nyans TV. Bon, sur Nyans Bon 3, nous faisons des vidéos spécialement des témoignages puissants, des témoignages que nous recevons. Et ici sur Nyans Bon, nous faisons beaucoup de choses, tas de choses extraordinaires. Des choses qui font le buzz, un peu des choses pareilles. Parce que nous devons être informés de ce qui se passe dans le monde. On dit Jésus revient bientôt. Les gens disent, oh, il revient quand? Depuis là, il ne revient pas. Mais Jésus ne sera pas revenu là. Tous les signes qui vont venir là, nous allons faire des vidéos ici pour vous les montrer en même temps. Pour que vous soyez prêts.
Là, vous allez manger votre nourriture préférée en même temps. Juste pour la dernière fois. Merci à vous de regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment désolé pour la qualité, mais nous essaierons d'utiliser les nouveaux équipements. C'était juste une photo que nous avons faite comme ça. Je prie que Dieu nous aide à trouver de bonnes choses pour vous faire de belles trucs, de belles choses. En tout cas, là devant, c'est toutes de bonnes choses. Ensemble, nous allons arriver loin. Soutenons-nous seulement, main dans la main, et on va arriver loin. Que Dieu vous donne la paix, que Dieu vous donne longue vie, la santé, beaucoup d'argent, tout ce qu'il faut afin de vivre en paix. Ouais. Et ne soyez vraiment pas troublés à cause de tout ce qui se passe avec les virus par là et tout ça. Mettez-vous à genoux, priez. Dites Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, protège-nous, protège ma famille, protège ma maison, protège-nous contre tout ce qui est mauvais, tout ce qui vient du diable et ses démons. Amen. Vous faites ça, vous marchez selon la crainte de Dieu, la main de Dieu va descendre sur vous. Il n'y a que ça. C'est Dieu qui décide qui doit vivre et qui doit mourir. Tout est entre ses mains. Mais son désir pour vous, c'est que vous vivez longtemps et c'est ce que vous devez prendre. On se retrouve la prochaine vidéo. Pour nous à tous, ce matin, je vais aller me reposer. Je pense que d'ici demain, de vraies nouvelles choses vont venir. Soyez prêts.